Salut tout le monde, donc je voulais vous faire une vidéo sur ma tenue du jour qui n'a rien d'exceptionnel mais j'avais jamais fait de vidéo de ce type donc voilà, je me lance et puis je verrai bien si c'est quelque chose qui vous plaît, éventuellement j'en ferai d'autres. Donc on démarre tout de suite. Donc au niveau du make-up, je viens de vous faire le tuto de ce maquillage. Donc c'est un maquillage que j'ai fait avec l'illusion d'ombre illusoire de Chanel. Au niveau de la coiffure, c'est un peu... je me suis lissé les cheveux. Voilà. Et en fait, j'ai simplement mis... Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai simplement mis une barrette dans les cheveux, ni plus ni moins. Voilà. Ensuite... Donc j'ai un petit rési comme ceci que j'ai mis donc en dessous d'une robe. Alors c'est une robe qui m'arrive en fait juste au-dessus du genou, qui est un petit peu, je sais pas si vous allez voir, hop, qui est un petit peu asymétrique. Voilà, donc avec un volant transparent. Donc la robe elle est en laine un petit peu. Comment dire, en vieille laine, vous savez, voilà comme ça. Et elle a un détail donc au niveau de la ceinture. Voilà, elle est un petit peu brodée de fil blanc comme ceci. Après, je suis pas très douée pour faire ce genre de vidéo. Au niveau des chaussures, donc j'ai mis des escarpins comme ça à talons, donc avec de la dentelle, parce que je trouve que ça fait un petit peu le rappel donc avec la ceinture. Donc voilà. Et après au niveau des bijoux, donc pour les boucles d'oreilles, j'ai mis j'ai toujours mes petits strass là au niveau du deuxième piercing. Après donc j'ai mis mes perles noires qui sont des boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par ma soeur. Au niveau du cou, j'ai rien parce que j'ai déjà au niveau du col un petit détail là, donc c'est une libellule, donc ça vient de La Mode est à vous. Et cette robe tunique là en laine, elle vient de chez Promode, elle a quelques années maintenant. Donc voilà. Et au niveau donc de la bague, j'ai toujours ma bague en forme de menotte là qui m'a été offerte, donc que je n'enlève jamais. Et après donc j'ai ce bracelet là que je me suis offert hier, donc il vient de chez Agatha. Il est réglable, donc il a voilà un côté en cuir et un côté comme ça. Je trouvais ça très joli, j'ai craqué dessus, donc voilà, je me le suis offert hier chez Agatha. Et j'en profite pendant que je suis là, donc le vernis que j'ai sur les ongles, je ne suis pas particulièrement fan de la couleur. C'est le vernis Essie que donc j'ai reçu dans la dernière jolie box du mois de novembre. Donc malgré le fait que la couleur c'est pas trop le style de truc que je porte. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas trop le style de couleur que je porte. Je dois quand même avouer que la tenue est génialissime, que l'application est top. Là je n'ai qu'une couche. Il sèche hyper vite, ça fait 4 jours que je l'ai, il n'a pas bougé malgré la vaisselle, malgré tout ça. Donc c'est quand même un excellent vernis et vous pouvez les trouver chez Monoprix je crois. Pour ma part, il est certain que je vais aller m'en acheter au moins un d'une autre couleur parce qu'ils sont vraiment super bien. Voilà les filles, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je suis pas très douée pour ce genre de vidéo, donc si jamais vous avez des remarques à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis en attendant, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao !